Je vais être témoin au milieu de ma génération, annoncer ta parole, éclairer le peuple qui te cherche, témoigner de ton amour à tout ce monde découragé, apporter ta guérison, Seigneur, tous les cœurs qui sont blessés. Dire au monde que tu es bon, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore un plaisir pour moi de vous revenir avec notre capsule 30, la parole. Je demande au Seigneur de vous bénir à travers ce ministère de capsule 30, la parole. Et je vous remercie, vous qui faites prendre conscience à des amis, qu'il y a une plateforme qui est là pour libérer la parole de Dieu. Vous savez que notre site Capsule 30 avait été traqué par des gens malhonnêtes. Alors je vous invite vraiment à partager ce lien avec tous les anciens abonnés de Capsule 30 que vous connaissez autour de vous. Merci de soutenir notre ministère par votre abonnement. Soyez richement bénis, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet, je pense, qui tombe à point dans le contexte que nous vivons. Rebondir après les tempêtes de la vie. Rebondir après les tempêtes de la vie. Nous sommes en train de traverser un moment difficile, qui est évidemment la pandémie. On a commencé avec la première phase qui n'a pas fini, la deuxième phase, la troisième, là on est en train de parler de la quatrième phase et on ne sait pas finalement jusqu'à quand ça va aller. Malgré tout cela, nous devons vivre. Et alors la parole de Dieu vient nous apporter un message d'espérance, que nous n'avons pas besoin de nous enfermer dans la peur, de nous enfermer évidemment dans tout ce qui est donné par le média. Nous avons besoin de nous accrocher à quelque chose, nous avons besoin de nous accrocher à la parole de Dieu, à cette main qui est tendue pour nous dire vous n'êtes pas seul, exactement comme il est question dans l'évangile que je voudrais lire tout à l'heure, pour que nous puissions comprendre en fait tous les sens, rebondir après les tempêtes de la vie. Nous avons l'habitude de chanter souvent « Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Dans le tempête de la vie, tu es là, dans le promesse de... » Non, le matin, les promesses, la tempête de la vie et tout le reste, tu es là. Et on revient tout le temps, tu es là au cœur de nos vies. Oui, le Seigneur est là au cœur de nos vies. Il est là, il vient dans des situations de tempête de nos vies. Le Seigneur vient nous tendre la main pour calmer ces tempêtes, pour que nous puissions apprendre à compter sur lui. Voici ce que dit la parole de Dieu d'aujourd'hui. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 8, à partir du verset 23, la parole de Dieu dit ceci, que je vais lire. Jésus monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici qu'il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par le flot. Et lui, Jésus, dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Mais Jésus leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça le vent et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement en se disant « Quel est celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Les gens sont pris d'étonnement. Ils étaient là, Jésus était avec eux, mais Jésus dormait. Et ils ne voyaient pas Jésus. Ils ont eu peur.
parce que la mer, ils avaient peur de périr, mais ils avaient oublié que la présence divine était avec eux. Ils avaient oublié à cause de la peur, à cause de ce qu'ils voyaient. La Bible dit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Et Jésus va se lever et va parler à la tempête et à la mer, et la parole de Dieu, il y eut un calme. Il y a un message d'espérance pour toi, mon frère, ma soeur. Quelles que soient les tempêtes que tu es en train de traverser dans ta vie, il y a une parole qui peut apporter le calme dans ta vie. Il y a une parole qui peut venir calmer tes tempêtes. Il y a une parole qui peut venir donner, mettre de l'ordre pour que ta peur puisse disparaître et que toi aussi, tu puisses voir la main de Dieu te crier. Qui est-il cet homme qui commande même à la tempête et à la mer et ceux-ci lui obéissent? Voilà, chers frères et sœurs, le message que je veux te donner aujourd'hui. Rebondir après la tempête. Rebondir après la tempête, c'est un message qui concerne tout le monde. Vous connaissez les gens autour de vous, n'est-ce pas? Des gens qui ont été acquis, n'est-ce pas, qui ont été atteints de maladies, parfois qui avaient dit qu'ils n'avaient pas d'espoir pour cela. Des gens qui ont été opérés, qui ont eu des chirurgies qui les ont immobilisés pendant longtemps. Les gens qui ont eu peut-être une maladie qui a attaqué les nerfs, le système de musculaire, le système osseux. Et on disait qu'il n'y avait plus d'espoir. Les gens à qui on a dit ça, il n'y a plus d'espoir. On a dit désolé. Désolé madame, on ne peut plus rien faire pour toi. Désolé monsieur, on ne peut plus rien faire pour toi. Les gens qui ont traversé, ils sont restés longtemps dans le lit et c'était un moment de tempête dans leur existence. Vous connaissez des gens comme ça qui ont eu des tempêtes dans leur couple. Ou parfois c'était vraiment, ils étaient au bord du divorce. Des gens comme ça, ils ont souffert. C'était vraiment la mer à boire. Ils ne savaient plus à quel point se vouer. Tous les jours, c'était des disputes, c'était la méchanceté, des paroles blessantes, de mépris et tout le reste. On se disait, il n'y a plus rien à faire. Sûrement, bientôt, ça sera le divorce. Vous connaissez des gens comme ça autour de vous. Peut-être vous-même, vous vivez ce genre de situation. Vous connaissez des situations où des parents, de mamans, de papas qui ont eu parfois un membre de la famille proche, un enfant, un fils unique, et peut-être même qui s'est donné la mort par le suicide, ou par la noyade, ou encore, je ne sais pas, par un accident de fusil, de quoi. Donc des choses comme ça qui ont entraîné une tempête, ça a secoué toute votre vie, ou leur vie. Vous connaissez des gens comme ça, peut-être vous-même, vous êtes concerné par cette histoire. Il y a des moments comme ça dans notre vie, ce sont des tempêtes qui viennent nous secouer. Et on se demande qu'est-ce qu'on peut faire. Mais voyez-vous, il y a tellement de témoignages de gens quand ils racontent qu'ils étaient au bout du gouffre et qu'ils se sont tournés vers Dieu. Ils ont crié à Dieu. Et la parole de Dieu dit, Dieu les a exaucés. Et leur histoire a changé. C'est devenu un témoignage de foi. Ils ont rebondi. Leur vie a totalement changé. Il y a des gens qui étaient au bout et qui voulaient même se donner la mort parce que leur vie n'était plus capable d'être vécue. Des gens qui ont vécu l'inceste, des gens qui ont vécu qui ont été abusés parfois sexuellement et dont le blessure intérieure était enfouie. Et ils portaient ça pendant toute leur vie. Et à un moment donné, pour eux, la mort était la meilleure solution plutôt que de continuer à vivre. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, qu'après cette tempête, tu peux encore rebondir. Parce qu'il y a quelqu'un qui a marché sur la tempête. Il y a quelqu'un qui a marché sur les eaux troublées. Il y a quelqu'un qui a ordonné, qui a parlé à la tempête. Il a ordonné à la tempête. Il y a quelqu'un qui est là et qui peut encore, même s'il donne l'impression qu'il s'endort, mais il est présent, tu peux compter sur sa présence. Et tu peux compter sur sa présence victorieuse. Parce qu'il est là, c'est la victoire. Quand il est là, c'est la victoire. Quand il est là au cœur de nos vies, nous avons la victoire sur toutes les tempêtes de la vie. Il y a des gens comme ça. Nous connaissons très bien l'histoire
de toutes ces personnes qu'on appelle les alcooliques anonymes, des gens qui ont sombré dans l'alcoolisme. Dès qu'ils avaient leur salaire, c'était l'alcool. Ils ont brisé des alliances, parfois leurs mariages ont été brisés à cause de l'alcoolisme. Des gens qui ont perdu l'amour de leurs enfants à cause de l'alcool. Il y a des gens comme ça, leur vie avait basculé et ils ont trouvé des gens qui avaient fait cette expérience avant eux et qui ont pu être restaurés dans leur histoire. Et ces gens-là les ont aidés. On connaît l'histoire des alcooliques anonymes. C'est vraiment l'histoire de la victoire sur le pouvoir de l'alcool ou de l'alcoolisme qui vient briser la vie de plusieurs personnes. Ils témoignent de cette victoire-là. Ils témoignent ou ils viennent entendre le témoignage de ceux qui ont vaincu la puissance de l'alcool dans leur vie. On peut rebondir après une vie de tempête. Les alcooliques anonymes ont rebondi après une vie de tempête. C'est possible pour chacun, chacune de nous. Voilà pourquoi nous avons besoin de ces messages d'espérance, particulièrement en ce temps de pandémie, où parfois, après avoir subi beaucoup, beaucoup de confinements, on peut désespérer. Tout peut sombrer. Tout peut sombrer. On a besoin de voir encore cette main tendue, cette parole qui dit « C'est moi, n'ayez pas peur ». Cette présence qui s'approche de nous, non pas pour nous faire peur comme un démon, mais pour venir à notre aide, pour nous tendre la main, pour nous secourir, comme Jésus l'a fait en marchant sur les eaux. Nous avons besoin de cela dans notre vie. Et ce message voudrait être justement un message d'espérance. Nous aurons l'occasion, dans le message prochain, d'entendre les témoignages d'un couple. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler de cela, que vraiment nous vivons un moment ou un autre dans notre vie personnelle. Il y a des temps où nous avons l'impression que nous sommes en train de traverser la tempête qui vient nous secouer, nous poser des questions, nous remettre en question même nous-mêmes. Et malgré cela, le message voulait te dire, tu peux rebondir. Tu peux encore rebondir. Tu peux encore rebondir malgré les tempêtes. Tu peux encore rebondir après la tempête de ta vie. C'est ce que toutes ces personnes ont fait. Plusieurs personnes, les alcooliques anonymes, ou les gens qui étaient dans telle situation, n'est-ce pas, qui étaient condamnés, n'est-ce pas, qui étaient sous le poids de la malédiction. Et parfois, on a vu, ils ont donné leur vie à Jésus-Christ, et leur histoire a changé. Tu peux rebondir, toi aussi. Voilà pourquoi, justement, je te parle de cela. Parce que, quelle que soit ta situation, et quel que soit le temps que cela a pris, n'est-ce pas, que cela dure, hein, tu peux vraiment rebondir. Tu peux rebondir après tout ce temps de tempête. Tu peux rebondir. Le temps de tempête, vous savez, ça provoque en nous, n'est-ce pas, beaucoup de sentiments intérieurs. Ça provoque des larmes. Ça provoque des pleurs. Ça provoque des traumatismes, des peines de toutes sortes. Ça provoque même la colère contre peut-être un époux ou une épouse. La colère contre la personne justement qui nous a mis, qui a entraîné les tempêtes dans notre vie. Mais ça peut aussi entraîner la colère contre Dieu. Pourquoi Dieu a permis cela? Où était Dieu? Pourquoi il a laissé faire les choses? Des questions qu'on pose souvent quand on traverse ce moment de tempête. Où était Dieu? Et c'est pas nouveau. Les gens posent toujours, et parfois même, on peut tomber dans la haine à cause de moments de tempête. Quand on voit un mari qui est alcoolique et qui est toujours là devant soi et qui revient toujours et que nous, on est épouse de ce mari-là, on peut en arriver à la haine, à haïr ce mari. Donc, quand on voit un enfant, n'est-ce pas, qui est dans telle situation, dans la drogue, et qui n'arrive pas à s'en sortir et qui est toujours là, n'est-ce pas, on peut, après avoir donné le meilleur de soi-même, le conseil, la présence, l'amour, on peut sombrer dans la haine parce que ça fait mal. On a beaucoup de peine au-dedans de soi-même de voir que cet enfant n'a pas suivi nos traces. Les tempêtes, ça peut être provoqué par l'époux, par l'épouse, par les enfants, par les personnes qu'on aime, mais ça peut être provoqué aussi par des circonstances de la vie comme la maladie.
comme la maladie, personne ne choisit d'être malade. Quand la maladie arrive, on vous annonce du jour au lendemain un cancer et on dit que ce cancer, vraiment, c'est difficile de le traiter parce que ça atteint des organes très sensibles. Votre vie bascule du jour au lendemain. Alors, le fait qu'il y a eu des gens qui sont passés par là et qui ont pu tenir, réussir, nous donne de l'espoir et de l'espérance. Voilà pourquoi nous disons, on peut rebondir. On peut rebondir après les tempêtes de la vie. Oui, les épreuves dans la vie, n'est-ce pas, permettent peut-être de devenir la personne qu'on est devenu. Moi, les épreuves que j'ai vécues depuis mon enfance ont façonné en moi la personnalité que j'ai aujourd'hui. Il y a des épreuves comme ça dans la vie. Quand on les assume convenablement, ça peut nous donner, n'est-ce pas, une personnalité positive, une personnalité évidemment compatissante, une personnalité généreuse, une personnalité, n'est-ce pas, présente, voyez-vous, attentive, attentionnée même. Donc, une personnalité priante. Les épreuves dans la vie peuvent aussi nous approcher, rapprocher de Dieu. C'est-à-dire qu'après avoir essayé par nos moyens, par nos efforts, de chercher des solutions et de ne pas trouver aucune solution, et à un moment donné, on s'est dit, il doit y avoir là où quelqu'un qui est plus puissant et qui peut nous venir en aide. Et alors, on crie vers cet être supérieur qui est Dieu. Nous allons chercher, ça peut nous rapprocher de Dieu. Dans l'histoire des cheminements des alcooliques anonymes, hein, n'est-ce pas, je pense que c'est le deuxième niveau, où ils réalisent qu'après avoir essayé par ses propres moyens et avoir expérimenté l'impuissance de résoudre le problème d'alcool dans sa vie, il faut se tourner vers un être supérieur que les chrétiens nomment Dieu. Nous avons besoin de cela dans notre vie. Les épreuves peuvent nous amener à cela. Et quand nous prenons bien les épreuves, évidemment, nous pouvons rebondir. Les choses peuvent changer et prendre une autre connotation. Une tempête peut être changée en bénédiction. Elle peut être changée en bénédiction. Bien sûr que quand on vit le moment de tempête, il n'y a rien à envier parce que c'est vraiment pas heureux de traverser le moment de tempête. Nous avons vu dernièrement ce qui s'est passé aux États-Unis. Nous avons vu vraiment avec la tempête qui est venue secouer, ça a arraché des maisons, emporté des voitures, ça a détruit le passage de route, ceci, cela. Tout un état était devenu inhabitable. Tout un état, un pays était devenu inhabitable à cause de la tempête. Tout détruit sur son passage. Nous savons que vraiment, la tempête, quand ça passe, ça ravage. Mais en même temps aussi, c'est toujours intéressant de voir que ce n'est pas la première fois que cette tempête arrive, aux États-Unis en particulier, partout ailleurs. Ce n'est pas la première fois. Après le passage de la tempête, les gens arrivent à se relever, à se mettre ensemble. La communauté internationale s'élève pour venir en aide et les gens rebâtissent leur vie. Ils rebâtissent parfois au même endroit, pour dire que non, la tempête ne nous a pas détruits, il a emporté toutes nos choses, mais nous sommes là pour redire que nous sommes encore forts et vivants ensemble. Et on prend des mesures de sécurité pour une autre tempête, voyez-vous. On a vu en Haïti, n'est-ce pas, il y a plusieurs années, où Port-au-Prince a été secoué par un tremblement de terre. Les maisons, les immeubles, tout s'écroulait, des morts, on comptait des morts. Et des années après, la vie a repris à Port-au-Prince. Dernièrement, nous avons entendu encore, n'est-ce pas, en Haïti, un autre tremblement de terre dans une autre partie du pays. Quand on regarde ces images, on se dit, mais quoi, est-ce que c'est une malédiction? C'est pas une malédiction, la vie est faite comme ça. Il y a des moments où il y a des calmes, il y a des moments où il y a des vagues de tempêtes dans la vie. Mais c'est important d'avoir toujours en tête que quelle que soit la tempête que tu traverses dans ta vie, tu peux encore rebondir. Parce qu'il y a quelqu'un qui est là et qui t'aime. Il est là pour te tendre la main.
Il est là pour parler à tes tempêtes et pour leur dire de se taire, de se calmer. Il y a quelqu'un qui est là. Tu ne passeras pas toute ta vie dans la tempête. Tu pourras trouver le calme, mais il faut que cette personne soit au cœur de ta vie, comme je l'ai dit. Tu es là, au cœur de nos vies, au cœur de ta vie, au cœur de ma vie. Et c'est toi qui me fais vivre. C'est toi qui me fais vivre malgré les tempêtes de la vie. Tu me fais vivre, tu me soutiens parce que tu peux parler aux tempêtes de se calmer. Tu es là, il faut qu'il soit au cœur de ta vie pour te soutenir. Il faut qu'il soit au cœur de ta vie pour t'apporter le calme, pour ordonner à la tempête de ta vie de se calmer. Il faut que tu trouves cet homme-là quand il est au cœur de ta vie. Et alors, il peut devenir la solution à tes tempêtes et te procurer la paix véritable. C'est ça que Jésus a fait avec les apôtres. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, c'est important que nous puissions prendre vraiment conscience. La Bible nous parle de plusieurs personnes qui ont connu des temps de tempête, n'est-ce pas? La Bible nous parle, n'est-ce pas? Nous connaissons l'histoire de Job. Job a connu la tempête de la vie. Il a perdu, n'est-ce pas? On est venu lui annoncer une nouvelle après une autre. Ah voilà, la foudre est tombée sur tout ton troupeau et tu as tout perdu. Après le champ a pris feu, après ceci, la maison, après les enfants qui sont morts, après tout ce qu'il avait, Job le perdait hein, les uns après les autres. Et finalement, lui-même a été attaqué dans son corps par la lèpre. Mais quand vous regardez les derniers chapitres de la vie de Job, le chapitre 42, vous êtes surpris comment Dieu bénit Job hein, au centuple. Comment Dieu bénit ce que Job devient une source de bénédiction pour d'autres personnes. Tu peux rebondir, Job a rebondi après les tempêtes de sa vie. Tu peux rebondir toi aussi après les tempêtes de ta vie. Donc c'est vraiment, on voit comment Élie, par exemple, après avoir fait beaucoup de grandes choses, on nous dit quand il a détruit, n'est-ce pas, les autels de Dieu Baal et sacrifié les 450 prophètes de Baal, la reine Jézabel s'est mise en colère et cherchait la tête d'Élie. Élie a eu peur et il est allé dans le désert. C'était un moment de tempête pour lui. Dans le désert là, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait la mort. Il ne voulait plus vivre comme plusieurs personnes. Quand ils sont dans la tempête, des problèmes, parce qu'ils ont été abusés, ils ont connu l'inceste, parce qu'ils ont connu ceci, cela. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent mourir. Élie voulait mourir. Mais au bout de cela, on nous dit comment Dieu est intervenu pour lui apporter la nourriture et pour renouveler sa mission. Il lui a donné une autre mission, n'est-ce pas? Il lui a donné une autre mission. Il était seul. Dieu lui a dit, va à tel endroit, tu trouveras tel fils de tel, et consacre le prophète. Et Élie a consacré Élisée comme prophète. Et Élisée était attaché à Élie. Élie n'était plus seul. Tu peux rebondir. Tu peux rebondir après le temps de tempête. La parole de Dieu nous montre cela. Nous voyons David, par exemple, comment David a souffert. Après l'onction, David a souffert. Il est venu au palais royal. Il a combattu Goliath seul. Cela a créé la jalousie du roi. Il a souffert, David fuyait, il allait dormir dans les montagnes, dans les rochers, par peur parce que le roi Saül cherchait à le tuer. Ça, ce n'est pas une affaire d'un jour, ce n'est pas une affaire d'une semaine ou d'un mois, c'est une affaire des années, pendant plusieurs années. David était tout le temps, il devait changer de lieu. Il devait fuir à tout moment parce que le roi cherchait à le localiser pour, n'est-ce pas, lui faire un guet-apens. Et pour le tuer. À la fin, à la toute fin, c'est pas David qui a tué le roi Saül. Quand Saül est mort avec toute sa famille, on est venu chercher David comme roi. Mais tous les autres rois sont venus s'incliner devant lui pour lui dire, nous voulons que tu règnes sur nous. Cet homme qui cherchait, qui fouillait par-ci, par-là, voilà que les gens viennent le chercher pour qu'il règne sur eux. Tu peux rebondir. Ton histoire n'est pas finie parce que tu traverses la tempête. Ne regarde pas ou ne lis pas ton histoire sous le regard de la tempête. Il y a plus que la tempête. C'est pour cela que tu peux rebondir après la tempête, mon frère, ma soeur. Ne désespère pas, malgré tout ce que tu es en train de vivre, ne désespère pas.
Nous connaissons l'histoire de l'enfant prodigue. Il était avec son père, il a pris la liberté, il ne savait pas que le chemin de liberté l'amenait vers la mort. Il est allé, tout ce qu'il avait, il a perdu. Et à la fin, n'est-ce pas, on nous dit, n'est-ce pas, ses amis l'ont abandonné, il s'est retrouvé seul. Il s'est retrouvé seul. Et alors, il a pris la décision de revenir vers son père. La parole de Dieu dit, il était comme mort, il est revenu à la vie. Il y a des chemins de liberté qui peuvent nous amener à la mort. Mais parce qu'il a pris une bonne décision de revenir vers son père, il a pris une bonne décision, il est revenu à la vie. Et parce qu'il est revenu à la vie, sa vie a rebondi. On lui a donné une nouvelle bague, on lui a donné une nouvelle robe, on lui a donné de nouvelles sandales, on lui a donné et on a fait une fête pour lui. Une fête pour lui, comme pour un nouveau recommencement. Tu peux rebondir, toi aussi, mon frère, ma soeur. Il n'y a rien qui te condamne à tout ce que tu as fait. Donc, voilà pourquoi, chers frères et sœurs, je suis en train de vous dire que, vraiment, vous ne pouvez pas vraiment vous laisser abattre à cause d'une nouvelle, parce qu'on vous a annoncé le cancer, parce qu'il y a une menace de divorce, parce qu'il y a ceci, cela. Non, quand Adam et Ève ont perdu, n'est-ce pas, Caïn, quand ils ont perdu d'abord Abel, et qu'ils ont perdu Caïn, n'est-ce pas? Il y a eu une troisième vague d'espérance. C'était cette. Dieu leur a donné une consolation. Tu peux rebondir. Il y aura une consolation pour toi. Même quand tu auras tout perdu, il y aura une consolation. Dieu pourvoira pour que tu puisses rebondir de nouveau. Voilà mon message pour toi, mon frère, ma soeur. Je voulais vraiment t'encourager à ne pas désespérer. Dieu t'aime. Et toi aussi, tu peux lui faire confiance. Tu peux lui faire confiance. Apprends à rendre grâce au Seigneur. Quand tout va bien dans ta vie, apprends à rendre grâce au Seigneur. Quand tout va bien dans ta vie, apprends, n'est-ce pas, à louer le Seigneur. Quand tout va bien dans ta vie, apprends à demander que le Seigneur te fortifie puissamment dans ton être intérieur. Pour que, quand arrive le mauvais jour, que tu puisses tenir bon. C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans Ephésiens 6. La parole de Dieu dit, fortifiez-vous dans le Seigneur pour que quand arrive le mauvais jour, que vous puissiez tenir bon. Quand arrive le temps de la tempête, on n'improvise pas. Tu ne peux pas improviser. Tu dois t'assurer que tu es avec le Seigneur. Tu dois t'assurer que tu es retourné à la maison de là où était la vie, à la source de la vie. Si tu es éloigné de cette source, tu seras comme mort et tu ne pourras jamais rebondir. Tu as besoin de revenir à la source pour que tu puisses rebondir. Tu as besoin d'être avec le Seigneur pour que tu puisses rebondir. C'est ma prière pour toi. Vraiment que le Seigneur puisse changer ton nom à un vin nouveau et qu'il puisse marcher sur les tempêtes de ta vie et que tu puisses rebondir de nouveau et que ta deuxième vie, comme dit la parole de Dieu, que la gloire du deuxième temple sera plus resplendissante encore que celle du premier temple. Que vraiment le témoignage de ta deuxième vie vraiment puisse être très fort, plus puissant encore que le témoignage de ta première vie, après que tu auras rebondi de toutes les tempêtes que tu auras traversées. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur, que le Seigneur puisse vraiment lui-même affermir cette parole dans ton cœur pour que si jamais tu as traversé les tempêtes de la vie, et particulièrement en cette période de la pandémie, et nous ne savons pas toujours qu'est-ce qui nous attend pour demain, que tu ne puisses pas désespérer. Il y a un Dieu là-haut, un Dieu pour toi, en qui tu peux espérer, en qui tu peux mettre ta confiance, mais tu dois t'assurer d'abord que tu es avec lui, que tu es de son côté. Et cette assurance passe par la repentance. La repentance, la repentance, et encore la repentance. En ce temps de pandémie, ce temps difficile, c'est le mot clé. Nous avons besoin de la repentance pour revenir auprès de Dieu, pour nous rapprocher de lui, pour qu'il soit avec nous et qu'il puisse, lui, calmer toutes les tempêtes de notre vie. Alors qu'il en soit ainsi dans ta vie, au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen.